à l'heure où leurs camarades sont en week-end, Alicia, Emma et Victor s'entraînent dans la cuisine du lycée des métiers Saint-Joseph à Concarneau, au programme de la précision et de l'endurance. Là, je prépare le décor qui est demandé en boulangerie sur le thème du cirque. C'est que de la minutie. Et 6 heures au total pour tout faire. Pendant 6 heures, j'aurai de la viennoiserie, donc ce qui est basique, pain au chocolat, croissant et des escargots revisités. Donc, et après, on part sur de la brioche et du pain en lait. C'est gérer le temps surtout qui est le plus compliqué. Emma à la pâtisserie, Victor à la boulangerie, Alicia à la viennoiserie. Dans 15 jours à Paris, l'équipe tentera de conserver la Coupe des écoles gagnée par l'établissement en 2014. Pour les formateurs, le concours, c'est surtout la sauvegarde des bons gestes et de la tradition. On va dire que la barre n'est pas placée trop haute. On leur demande des choses simples, mais de belles choses. C'est-à-dire que dans la technique des choses simples, c'est-à-dire le côté un petit peu traditionnel de la pâtisserie, ce que l'on veut retrouver, ce sont des bons gestes, on va dire, pour chasser un petit peu ce que l'on a tendance à voir envahir nos commerces aujourd'hui, hein, c'est-à-dire de la pâtisserie toute faite. Nous, c'est un concours que l'on a découvert au cours d'une visite d'un salon et on s'est dit pourquoi pas nous. On s'y est inscrit en 2014 et puis ma foi, la première marche du podium était pour nous. Les trois apprentis apprennent le métier depuis 2 ans. Être sélectionnés par leur lycée et participer au concours, c'est déjà une reconnaissance. J'ai toujours eu l'âme assez compétitrice, donc j'ai toujours aimé faire ça, donc c'était un but. Ça donne de la pratique en plus et c'est que bénéfique. Je souhaite participer parce que je pense que c'est une belle aventure et ça peut être que du bonus. Et le lycée Saint-Joseph, c'est une pépinière de champions. Antoine a gagné la Coupe des écoles en 2014. Cette fois, il s'entraîne pour le concours du meilleur boulanger européen. Résultat, le mois prochain en Allemagne.